Bâtirons un pays plus beau qu'avant dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de notre solidarité. Fièrement, saluez la même de notre souveraineté. Congo, ton pays, Congo. Congo, Congo, nous assurerons ta grandeur. Entre joie, entre joie, entre joie, entre joie, entre joie, entre joie, liberté. D'agréable de voir en vous remerciant au nom de la Fédération UNC Europe d'avoir répondu présent et nombreux à notre invitation. Je saisis également cette occasion pour saluer la présence de M. Vital Kamerhe, président honoraire de l'Assemblée nationale, député de la circonscription de Bukavu, acteur politique depuis plusieurs années, président national de l'UNC et surtout candidat président de la République. Nos remerciements et notre gratitude s'adressent aussi et surtout à toutes celles et ceux qui n'ont pas ménagé leurs efforts afin que la rencontre de ce jour soit rendue possible. Monsieur le Président national, messieurs les membres de la direction politique nationale, mesdames et messieurs des fédérations UNC, mesdames et messieurs distingués invités, en nous faisant l'honneur d'être parmi nous aujourd'hui, Monsieur Vital Kamerhe entend associer la diaspora congolaise à l'ambitieux travail de reconstruction de notre pays et à l'édification d'un véritable état de droit, débarrasser des oripeaux du passé. Cette ambition légitime et cette quête inlassable vers le bien-être de nos concitoyens nécessitent la contribution de tous et de chacun dans un élan de générosité. Mesdames et messieurs, distingués invités, aujourd'hui, disais-je, est un jour important car il scelle l'union et le raffermissement des liens entre la République démocratique du Congo et sa diaspora, dont vous êtes les représentants les plus dignes et les plus inspirés. La cérémonie de ce jour, outre l'installation officielle du Comité fédéral extérieur de l'UNC, sera ponctuée de plusieurs interventions, parmi lesquelles, premièrement, celle de M. Jean-Bertrand Ewanga, secrétaire général de l'UNC, qui procédera à la lecture de la décision portant nomination des animateurs des structures du parti de la diaspora, celle du président Vital Kamerhe, et enfin celle de M. Hilaire, secrétaire exécutif fédéral de l'UNC Belgique. Et en guise de conclusion, un rafraîchissement vous sera offert afin de vous remettre de vos émotions. Je vous remercie. Monsieur le secrétaire général, vous avez la parole. Avant que je ne dise mon mot, je voudrais d'abord lancer quelques slogans du parti. Nous avons eu l'opportunité de le répéter un moment ici. Je commence d'abord moi-même, je lance, je réponds moi-même. IMC, mon peuple Yassika. IMC, Lisanga Yabana Congo,
INC toujours ensemble. Je commence. UNC. Mobikersika. UNC. Lisanga Yamanakongo. UNC. Toujours ensemble. Toujours ensemble pour le bien de notre pays, pour la reconstruction de notre pays. Monsieur le Président national de l'Union pour la Nation congolaise, honorable député, collègue de la direction politique, je voudrais, au nom de la direction politique du parti, d'abord, dire grand merci à la communauté congolaise de la diaspora pour l'accueil, la chaleur patriotique qui a caractérisé notre accueil lorsque nous avions eu à sillonner l'Angleterre, Londres précisément, Belgique, Paris, et aussi lorsque nous avons reçu quelques cadres des fédérations d'Allemagne, des Suisses, et j'apprends que ceux de l'Espagne sont dans le métro. Ils pourront nous rejoindre à tout moment. C'est l'information qui nous est livrée par le militant Maître Samiti. Monsieur le Président, c'est un grand jour pour notre parti. Notre parti a une méthode de travail. C'est celui de rassembler les Congolais. Nous n'avons pas, et suivant vos instructions, les droits d'imposer des gens pour diriger le parti. Nous voulons que l'élan pour le soutien de notre pays vienne de l'intérieur. Et ce sont les Congolais qui se sont choisis, Monsieur le Président. Et c'est ça qui fait la différence. Nous avons fait recours à la diaspora. Parce que le gros des cerveaux de notre pays s'est retrouvé ici. Les soucis du président national, l'honorable Vital Kamerhe, le pacificateur jusqu'au bout, c'est de vouloir impliquer tous les Congolais dans l'action de la reconstruction nationale. Monsieur le Président, nous sommes venus ici, nous avons échangé avec des compatriotes. Des questions diverses nous ont été posées. Mais nous avons retenu une chose, les soucis de tous les Congolais, c'est que le pays marche bien. C'est qu'il y ait la reconstruction, c'est que le peuple congolais retrouve sa dignité, c'est qu'il y ait des institutions fortes au pays et non des hommes forts. Et vous symbolisez aujourd'hui, Monsieur le Président, l'espoir de toute une nation. Les compatriotes qui sont ici n'attendent qu'une chose, faire décoller notre pays. Et je crois, tel que je vous connais, Monsieur le Président, l'engagement et le bravoure, vous n'allez pas le décevoir. Vous allez militer pour notre patrie. Pour revenir à la consigne, l'organisation des différents comités de la diaspora, le président national du parti a pris une décision aujourd'hui même. Et je vais pouvoir procéder à la lecture de la décision. Décision numéro 001, route, parce que nous ne pouvons pas à l'étranger, président national. Direction politique barre 2001, portant nomination de membres des organes de fédération de la diaspora. Le président national vit les statuts de l'Union pour la Nation congolaise en ses articles 59-60 relatifs aux fédérations de la diaspora. Vit le règlement intérieur à son article 9 relatif au fonctionnement des organes du parti. Vit la décision numéro 001. INC barre Direction politique nationale STG 2010 du 15 novembre 2010, portant instruction relative à la sensibilisation et au recrutement des membres du parti,
sur proposition du secrétaire général du parti, vu l'urgence, décide. Article 1er, les personnes dont les noms et prénoms sont joints à l'annexe de la présente sont nommées aux fonctions à regard de leur nom pour animer les activités des réunions pour la nation congolaise dans les pays de leur résidence respective. Fédération du Royaume de Belgique, secrétaire exécutif fédéral, Monsieur Hilaire Lumbaï Moulumba. Oui, est. Que nous pouvons applaudir. Première adjointe, Madame Première adjointe, c'est-à-dire secrétaire exécutif fédéral adjointe, chargée de l'organisation des questions politiques et suivi des organes de base, Madame Anne-Marie Mbongani. Hello. Elle est là, habillée aux couleurs du parti. On la voit pas qu'elle vient, déjà. On ne la voit pas, mais elle est là. Madame, si vous pouvez vous mettre debout. Voilà. Deuxième secrétaire exécutif fédéral adjoint chargé de la mobilisation des ressources financières et de la logistique, Monsieur Lino Amedika. Okay.